Les services de santé au travail interentreprises. Quelle mission ? Les services de santé au travail interentreprises accompagnent 1,5 million d'employeurs du secteur privé en contrepartie d'une cotisation spécifique pour préserver la santé au travail de quelques 15 millions de salariés. Leurs équipes assurent quatre missions principales. L'action de santé au travail en entreprise, la surveillance de l'état de santé, le conseil aux employeurs et aux salariés, ainsi que la traçabilité des informations et la veille sanitaire. Toute démarche de prévention démarre par un diagnostic, c'est-à-dire un repérage sur le terrain des situations à risque qui peuvent porter atteinte à la santé, comme les produits chimiques, le bruit, les gestes répétitifs, la manutention, les températures extrêmes ou les risques d'accident. Cette opération est réalisée en lien avec ceux qui sont en charge de l'hygiène sécurité dans l'entreprise ou directement avec l'employeur et les salariés selon la taille de l'entreprise. Cette intervention permet d'apporter à l'employeur des premiers éléments pour lui permettre d'évaluer les risques et d'envisager les actions de prévention. En parallèle, le médecin du travail ou l'infirmière en santé au travail surveille l'état de santé de chaque salarié dans le cadre d'une visite individuelle qui a lieu en fonction des situations avant ou après l'embauche. La visite est renouvelée à un rythme adapté à chaque cas. Sous l'autorité du médecin du travail, une réflexion s'engage avec une équipe pluridisciplinaire pour proposer des solutions adaptées à l'entreprise et à ses salariés. Cette équipe est composée de spécialistes de la prévention des différents risques professionnels, comme par exemple assistants techniciens en hygiène et sécurité, infirmières, ergonomes, toxicologues, assistantes de service social, psychologues. L'équipe pluridisciplinaire met en rapport le diagnostic sur l'environnement de travail et l'état de santé individuel du salarié, dans le respect du secret professionnel. Elle peut alors recommander des actions appropriées pour préserver la santé des salariés. Le médecin du travail détermine notamment le suivi de l'état de santé adapté à chaque salarié. Si besoin, un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire interviennent de nouveau dans l'entreprise pour conseiller et accompagner la mise en place des mesures de prévention. Le suivi de l'état de santé individualisé est mis en place. Indépendamment, une visite médicale du salarié peut être organisée à sa demande ou à celle de son employeur. Toutes les données recueillies dans le dossier médical et le dossier de l'entreprise permettent d'adapter le suivi de chaque salarié tout au long de son parcours professionnel et de mieux accompagner l'entreprise dans sa démarche de prévention. Anonyme, les informations enregistrées par les services de santé au travail contribuent à la connaissance et à la veille sanitaire pour ajuster les politiques de prévention. Ainsi, les actions des SSTI sont articulées dans une stratégie globale d'intervention déployée au cœur du monde professionnel d'aujourd'hui pour éviter toute altération de la santé du fait du travail.